Stéphane Béraud, on se retrouve pour parler du dossier qui sort dans Guerre Histoire numéro 34, Napoléon en Italie, pour lequel vous avez écrit le papier principal sur la campagne. Avant de parler de cette campagne, est-ce que vous pouvez nous dresser rapidement un tableau militaire de la France en 1796 ? Alors la France en 1796, elle revient de loin. Elle a été menacée sur toutes ses frontières par les grandes puissances européennes qui se sont réunies dans ce qu'on appelle la première coalition. Elle a vu son sol envahi avec la bataille de Valmy, plusieurs échanges de combats en 1793, en Belgique notamment. Et finalement, il y a eu le sursaut. Carnot, organisateur de la victoire, a réorganisé l'armée. Il y a eu les levées en masse qui ont permis de repousser la menace, de juguler la menace. Et finalement, en 96, la situation est relativement stabilisée sur les différents fronts. Elle est stabilisée sur le front des Pyrénées parce que l'Espagne, finalement, s'est retirée de la coalition. Sur le front allemand, on est un peu sur un espèce de statu quo où la France a réussi à récupérer toute la rive gauche du Rhin et la Belgique. Mais elle fait face à des armées qui se mobilisent du côté autrichien. Donc on sent qu'on est un peu, c'est un peu une veillée d'armes du côté de l'Allemagne. Sur l'Italie, c'est un peu une guerre de poste depuis 2 ans, guerre de montagne, qui n'a pas donné lieu à des progrès importants d'un côté ou de l'autre. Donc une situation stabilisée, sachant que la France, la République française, a relativement atteint ses buts de guerre. Elle tient ces territoires, mais il faut maintenant faire reconnaître cette victoire à l'Autriche, qui est le principal ennemi. Donc l'objectif, c'est de mettre en place une stratégie globale qui va permettre de faire tomber l'Autriche. Et cette stratégie globale, c'est Carnot qui la met en œuvre. Une stratégie qui est de monter une offensive principale en Allemagne pour atteindre Vienne. Et de rester relativement défensif avec une opération de diversion en Italie. Donc ça, c'est un peu la situation géopolitique de l'époque. Quelle est la situation militaire de Napoléon en 1796 ? Qui est-il à cette époque-là ? Et pourquoi va-t-il prendre la direction de cette armée d'Italie ? Voilà, en fait, si Bonaparte, c'est ce qu'on indique dans ce numéro de Guerre et Histoire, c'est pas un choix par hasard. Bonaparte, c'est un général, comme beaucoup des généraux de la République, c'est un général politique. Donc il a très bien compris que s'il veut faire son chemin, il faut qu'il ait des relations politiques. Il en avait eu dès le siège de Toulon avec le frère de Robespierre. Il a réussi, dans les années suivantes, à se rapprocher de Barras et de Carnot. Alors, Barras, notamment lors de la journée du 13 Vendémiaire, en fait, il va être choisi un peu par hasard, mais ce choix va être heureux, puisqu'il va sauver la République contre le soulèvement royaliste en jugulant les meutes du 13 Vendémiaire. Ensuite, c'est autre atout de Bonaparte. Bonaparte, il a été, après Toulon, il a été nommé responsable de l'artillerie de l'armée d'Italie. Et à cette occasion-là, il a eu un rôle, notamment grâce à ses relations auprès du frère de Robespierre, de faire passer un certain nombre d'idées en matière de stratégie de l'armée d'Italie. Donc il avait un rôle sans commune mesure avec son poste, qui était limité officiellement à l'artillerie, mais en fait, il concoctait un certain nombre de plans généraux, et il a suggéré un certain nombre de manœuvres pour que cette armée d'Italie, qui était en fait relativement en position défensive, prenne l'offensive dans le Piémont. Donc ça va déjà être pris en compte. Il va ensuite être nommé, et ça va être l'instant clé, au cabinet topographique, qui est une espèce de cellule de réflexion du pouvoir politique sur les stratégies, qui est chapeautée par Carnot. Et à ce poste-là, il va diffuser un certain nombre de plans que Carnot va repérer l'intelligence de ce jeune officier, qui manifestement a l'air d'avoir une vision globale et assez innovante de ce qu'il faut faire en Italie. Donc ça va être vraiment l'apport clé. Et donc tout ça pour dire que depuis 1794, en fait, Bonaparte réfléchit à la situation politique et militaire en Italie. Donc quand il est nommé finalement en 1796, c'est pas un hasard, parce que c'est quelqu'un qui depuis 2 ans travaille intensément sur le front italien. Et donc quand il est arrivé, il a déjà son plan en tête, et ça ne sera pas une surprise pour lui d'hériter de cette nomination. Vous pouvez nous parler des adversaires de Bonaparte en Italie. Qui sont-ils ? Quel pays ? Quelle coalition ? Voilà. Alors,
Bonaparte a l'avantage d'avoir affaire à une coalition. Et effectivement, il a affaire à deux pays qui ont bien entendu des intérêts politiques différents. Donc on a l'Autriche, bien sûr, qui souhaite, en fait, son objectif c'est de maintenir un maximum, de fixer un maximum de troupes françaises dans la zone, tout en gardant son influence qui est prédominante sur toute la botte italienne, grâce à son contrôle de ce qu'on appelle le quadrilatère Mantouan, qui est une série de forteresses qui se situe dans l'Italie du Nord, près du lac au sud du lac de Garde. Donc ça, c'est premier membre de la coalition. Deuxième membre de la coalition face sur le front italien, c'est le royaume de Piémont-Sardaigne, qui veut maintenir son indépendance, aussi bien vis-à-vis de la France que vis-à-vis de l'Autriche. Mais donc, qui est moins, je dirais, qui a des intérêts différents, puisqu'elle est prête finalement à négocier avec la France si jamais la France, la République française, lui offre des garanties territoriales. C'est ce que Napoléon a bien compris, et donc il va jouer sur cette division d'intérêts entre les deux pays, et sur le fait qu'il a bien compris que le Piémont était le maillon faible. Et donc ces deux États ont deux armées qui représentent à peu près plus de 70 000 hommes face aux 47 000 de Bonaparte, et qui sont dirigées par des officiers qui ne sont pas du tout de la même génération. Donc qui sont un peu encore imprégnés des techniques militaires des guerres frédéricaines du 18e, des guerres linéaires. Et c'est là que, effectivement, Napoléon va faire la différence, Bonaparte va faire la différence, en mettant en œuvre des méthodes innovantes pour bousculer les armées de la coalition. Donc maintenant, on connaît les forces en présence. Est-ce que vous pouvez nous raconter, pas dans le détail, mais nous raconter cette campagne d'Italie qui est le premier grand chef-d'œuvre de Napoléon? Oui. Alors, la campagne d'Italie, c'est un peu une campagne paradoxale. Elle est considérée comme l'une des plus belles campagnes de Napoléon, de Bonaparte pour être plus précis. Mais en même temps, c'est une campagne qui a duré longtemps. C'est une de ses plus longues. Généralement, les campagnes de Bonaparte et de Napoléon sont des campagnes éclairs, qui durent quelques semaines. Si on prend 1805, la campagne d'Austerlitz ou la campagne de Iéna, ça va très vite. La campagne, ou la deuxième campagne d'Italie avec Marengo, ça dure 2 mois. Cette campagne-là, elle est assez intéressante parce qu'elle est atypique. Elle dure 1 an. Malgré tout, elle est considérée comme vraiment un chef-d'œuvre. Alors pourquoi ça ? Parce qu'en fait, effectivement, Bonaparte va mettre en œuvre lors de cette campagne des schémas de manœuvre qu'il va ensuite réutiliser et qui semble déjà comprendre l'ensemble du génie stratégique napoléonien. Certains, comme Colin, qui a été un des exégètes de la pensée napoléonienne au début du XXe siècle, dira que Napoléon, il n'a rien appris, en fait, et Napoléon le dira lui-même ensuite dans ses mémoires, qu'en fait, il avait quasiment réfléchi intensément à l'art militaire pendant ses années de formation, et qu'il a mis en pratique, dès le premier combat, dès la première campagne, de façon intégrale, quasiment, toutes ses idées, et de façon très cohérente. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on a comme facteur qui va marquer ? C'est d'abord la campagne éclair qui met en place au début et qui, en quelques semaines, permet à Napoléon de désembourber, je dirais, l'armée d'Italie qui était restée sur la défensive dans les Alpes. Il va faire contourner les Alpes par sa première manœuvre en position centrale qui consiste à intervenir sur les liaisons latérales entre les armées ennemies, de façon à les forcer à retraiter selon des lignes divergentes. Et ensuite, on peut se retourner contre chacune des deux parties pour les battre séparément. Donc ça va être une technique qu'il va utiliser régulièrement et qu'il utilise dès les premiers jours de la campagne d'Italie et qui, en quelques semaines, met à l'écart l'armée du Piémont, donc fait sortir le royaume du Piémont-Sardaigne de la coalition, et permet à Napoléon de prendre pied en Italie du Nord et de descendre dans la vallée du Po. Donc ça, c'est en quelques semaines, il arrive à mettre en place cette opération. Il va ensuite enchaîner directement avec ce que les exégètes appellent une manœuvre sur les arrières, où il contourne cette fois l'obstacle du fleuve Po pour faire une manœuvre de diversion frontale et par le sud,
traverser le Pô, et à Lodi, il manque presque d'intercepter totalement l'armée autrichienne. Bon, l'armée autrichienne va s'échapper, mais elle va être obligée de battre en retraite et d'abandonner complètement l'Italie du Nord, à l'exception de la forteresse de Mantoue. Bonaparte sera contraint d'être sur la défensive parce qu'en fait, il n'a pas assez d'effectifs pour à la fois couvrir la forteresse et attaquer les Autrichiens. Puisque, comme on l'a dit, pour Carnot, l'Italie est un secteur de diversion, secteur secondaire. Donc la concentration des forces se fait en Allemagne. Donc Napoléon n'a pas les effectifs suffisants pour avoir une politique offensive. Et donc c'est cette défensive-là qui va prolonger la campagne. Et cette attitude défensive, tout en évitant de faire un siège en règle de la forteresse de Mantoue, peut être considérée comme une erreur stratégique. Ça a été très critiqué par Clausewitz, ça a été critiqué aussi par Gouvion Saint-Cyr, mais en même temps, c'est ce qui va permettre à Napoléon, à Bonaparte, de mettre en œuvre des méthodes opérationnelles extraordinaires qui vont marquer l'époque et qui vont lui assurer surtout une gloire énorme en France et lui permettre en fait de lancer sa carrière politique. Donc cette erreur stratégique va être en fait un atout politique pour Bonaparte. Parce que pendant cette campagne de 12 mois, il va mettre en place un certain nombre de manœuvres qui vont paralyser les offensives autrichiennes, et ça va se traduire par un certain nombre de victoires, donc Castiglione, on a parlé de Lodi, on a Lonato, Rivoli, donc toutes ces batailles qui sont devenues des boulevards ou des avenues dans Paris ou dans un certain nombre de villes de France vont marquer à l'époque énormément, bien sûr les adversaires qui vont le sentir dans leur chair, mais l'ensemble du dirigeant français et de la population française. Donc ça va être un atout paradoxal, je dirais, d'avoir cette durée longue de la campagne. Oui, puis qui ont créé aussi ce lien particulier entre Napoléon et ce qui va être l'embryon de la Grande Armée, finalement. Voilà. Et effectivement, la campagne d'Italie a été un tremplin énorme pour la carrière politique de Napoléon, mais ça a été surtout le creuset de la Grande Armée. Donc il a un embryon d'armée qui était efficace. Il a ensuite des divisionnaires, Masséna, Augereau, qui vont démontrer par la suite leur talent tactique, plus un certain nombre d'officiers, on parle de Murat, qui va devenir un des grands cavaliers de l'Empire. Donc c'est ce qu'on appelle ces Italiens, entre guillemets, après il y aura les Égyptiens, sont un peu le premier groupe de cadres qui vont vraiment forger cette superstructure militaire à l'origine de la Grande Armée. Donc c'est vrai que cette campagne qui a duré 12 mois va permettre en plus d'entraîner, de mettre en place la synthèse tactique mise en œuvre par Napoléon. On a souvent dit que Napoléon était avant tout un général qui s'intéressait à la stratégie opérationnelle. Il s'intéresse énormément aussi à la tactique. Pour la campagne d'Italie, il y en a une qui est très connue, c'est une instruction qu'il a rédigée pour la campagne de la bataille de Lisonzo et notamment la bataille du franchissement du Tagliamento à la fin de la campagne, où il met en place ce qu'on appelait l'ordre mixte, où il demande à ce qu'on mette ce qu'on alterne des unités en ligne et en colonne. Donc ça va être déjà un schéma tactique précis qu'il développe, qui existe déjà en pratique, mais qui va demander à être systématisé. Donc effectivement, l'armée d'Italie, avec son système divisionnaire, avec son état-major aussi, puisque Napoléon a la chance de rencontrer, le futur Napoléon a la chance de rencontrer en Italie le général Berthier, qui a déjà une carrière derrière lui, qui a une quarantaine d'années, et qui a des idées précises sur l'organisation d'un état-major. Et ça va être un élément clé, parce que Berthier va être l'homme qui va être capable de transposer en instructions claires les plans géniaux de Napoléon. Et il met en place un état-major avec un certain nombre de divisions au sein de l'état-major qui se répartissent les tâches entre le renseignement, la logistique, les plans opérationnels. Et ça va être un élément clé de la construction de ce qu'on a appelé cette première armée moderne qui se met en place et qui va déboucher sur la Grande Armée via la transition de la deuxième campagne d'Italie, où après avoir utilisé les divisions durant la première campagne, il va mettre en place des corps d'armée, où là on a vraiment un système interarmes. On vient de commencer à l'évoquer,
c'est évoqué longuement dans tous les articles dans le dossier de Guerre à Histoire. On peut quasiment dire que la campagne d'Italie, c'est la naissance de l'armée moderne, pratiquement telle qu'on la connaît actuellement. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques innovations importantes de Napoléon? Pas toutes, parce qu'il y en a tellement, mais les 3 ou 4 plus importantes. Qu'est-ce qui finalement marque cette campagne? C'est d'abord l'organisation interarmes. Au sein de la campagne d'Italie, il aura tendance, parce qu'il n'a pas des effectifs énormes, à extraire la cavalerie et l'artillerie des divisions pour la mettre en réserve. Mais il a très bien compris l'atout de l'interarme, et c'est un lecteur des théoriciens du 18e du siècle des Lumières en matière militaire, donc qu'on cite dont on décrit les œuvres dans Guerre et Histoire, à savoir notamment Dutheil pour l'artillerie, Bourset pour l'organisation, le raisonnement en arborescence, et ça, c'est quelque chose qu'il va mettre en œuvre. Notamment, en fait, c'est l'utilisation des unités qui va être l'innovation principale. Bonaparte a très bien compris qu'il faut marcher séparé pour combattre réuni. Pour ça, il faut avoir un système de raisonnement, de guerre de calcul, pour pouvoir planifier de façon précise, notamment quand on est dans une situation de guerre de montagne, où la moindre erreur peut être désastreuse. Donc, il faut planifier les mouvements des unités avec des cheminements différents, mais de façon à ce qu'elles puissent se soutenir, qu'elles soient à distance de soutien mutuel en permanence, au cas où une des colonnes serait attaquée par l'adversaire. Donc ça, Napoléon, ça va être sa spécialité. Sa spécialité, c'est de faire cette guerre de calcul, où il arrive à toujours donner l'impression que ses armées, ses unités sont dispersées, alors qu'en fait, elles sont à distance de soutien mutuel. Donc ce qui présente l'avantage, d'abord, d'aller très vite, parce que ça permet d'éviter les contraintes logistiques, puisqu'on n'a plus une seule armée qui se déploie sur une seule route et qui épuise les ressources locales. On a des armées qui se déplacent sur des axes, selon des axes différents, et qui peuvent utiliser les ressources de chaque zone. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Ensuite, ça permet, comment dire, de dissimuler l'axe de l'offensive. Donc ça, c'est aussi un élément très important. Bonaparte parvient, en fait, et ensuite Napoléon, a jeté une espèce d'immense filet, on a dit une espèce d'immense toile d'araignée sur un théâtre d'opération, en envoyant toutes ces colonnes selon différents axes de marche, mais en fait avec un objectif de réunion ultime qui permet de fermer toutes les portes de retraite à l'adversaire. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à expérimenter durant la campagne d'Italie, en faisant des actions sur les manœuvres sur les arrières qui permettent de couper les lignes de retraite, qu'il va ensuite développer de façon intensive durant les futures campagnes. Donc c'est vraiment la mise en place, la combinaison des grandes unités au niveau opérationnel qui est la marque de fabrique de Bonaparte. Sachant qu'il faut bien voir que Bonaparte n'est pas innovant, comme on pourrait le voir, comme on le voit actuellement dans les armées modernes, en termes technologiques. En termes technologiques, il utilise, mais il maximise en fait l'effet des armes qui sont mises à sa disposition. Donc les armes qui sont mises à sa disposition, qui sont un peu nouvelles, c'est l'utilisation des tirailleurs. Donc c'est-à-dire, on n'est plus seulement sur des unités en ordre serré. Les unités en ordre serré sur le terrain sont précédées par des tirailleurs, des colonnes de tirailleurs. Donc ça a été utilisé par la révolutionnaire, bien sûr, sur le front du Nord, sur le front du Rhin. Napoléon prend ça à son compte dans l'ordre mixte tactique qu'il met en place. L'artillerie de Gribeauval, bien sûr, puisque la France a eu la chance d'avoir un réformateur de l'artillerie suite au désastre de la guerre de 7 ans, qui va donner à la France, on peut le dire sans hésiter, la meilleure artillerie d'Europe à l'époque. Ce qui fait que, du coup, cette artillerie va pouvoir être utilisée beaucoup plus facilement pour permettre la concentration des feux. Donc ça, c'est un élément que Napoléon, en tant qu'artilleur, bien sûr, va utiliser dans tous ses combats. Voilà, il y a un autre point clé qui est rarement étudié, pour la bonne raison que les sources écrites sont pas évidentes à exploiter, quand elles sont existantes, et bien souvent elles ne sont pas existantes, c'est le renseignement. Napoléon a toujours eu conscience dans sa carrière militaire que le renseignement est essentiel. Et le général Bonaparte, pendant la campagne d'Italie, bénéficie d'une configuration politique
qui va l'aider dans ce domaine. Puisque la France arrive, la République française arrive en Italie, et avec une propagande qui vise à libérer les peuples italiens du joug autrichien, notamment. Hein. Et l'idée, c'est de dire, voilà, nous, on va mettre en place éventuellement des républiques sœurs, qui seront soit alliées, soit totalement autonomes. Mais donc, il y a un certain nombre de... Il y a une frange qui est relativement minoritaire, mais active, de patriotes italiens, qui sont favorables, en fait, à la cause républicaine française. Et donc, c'est cette frange-là qui va servir de réservoir pour le système de renseignement français, notamment. Donc, Scherer, avant lui, avait déjà mis en place un réseau d'espions et d'agents de renseignement. Et Napoléon va, Bonaparte va utiliser et développer ce système pour servir ses objectifs militaires et politiques. Puisque, comme on l'a dit, dans une deuxième phase, après la campagne éclair, il met en place une phase d'attente stratégique où il est obligé d'attendre les offensives autrichiennes pour pouvoir répondre. Mais donc, c'est une situation où, stratégique qui est difficile, où il est en situation de vulnérabilité, et pour arriver à répondre rapidement et même à concentrer immédiatement les forces au bon endroit, bah, il faut avoir les bons renseignements sur les intentions de l'adversaire. Et ça, Bonaparte va avoir un réseau qui va lui permettre, la plupart du temps, d'avoir les bonnes informations sur la concentration des forces autrichiennes. Et ça, ça va être un élément clé, effectivement, qui est souvent sous-estimé de la victoire de Bonaparte en Italie.